PS42. Donc voilà. Hein. Re YouTube. Donc voilà. Voilà, toujours à deux. Hein. Toujours à deux. Hein. Toujours présent. Toujours debout. La banane. On va à Moscou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas testé 2042, mais celui avant, Battlefield 1, ouais, qui était excellent. Hein. Battlefield 1, très très bon. Mm. Qui était leur dernier bon jeu. Le 5, franchement... Ouais, le 5 était sympa, mais... Il y a trop de trucs qui allaient pas. Hein. Ouais. C'est ça. Mais il était... T'as jamais fait leur partie, leur Battle Royale, justement Bah non. Bah non, j'ai joué aux autres. Ah, alors, petit souci, mais c'est pas grave, on va faire sans. Non, si tu vois, j'ai eu ma phase Apex, et puis ça suffit, quoi, c'est bon. Hein. Oh, la musique épique, là. Donc là, le principe, c'est qu'il y a un train. Donc plus il y a de gens chez eux dans le train, plus il avance vite. Donc nous, le but, c'est de l'arrêter. Voilà. Ah, d'accord. Putain, c'est original. Ouais. Il faut stop the train. Donc en gros, nous, en fait, on fait la grève, quoi. Allez, pas dans le train. on est les criminels. Contre Valérie Pécresse. Là, en même temps, on est par la partie communiste, hein, donc. En grève. Mais dis que t'es obligé de jouer en full squad avec tes potes, sinon t'as personne qui attend que tu viennes le raise. Alors faudrait qu'ils ajoutent un système de tickets pour respawn quand dans le squad BF, mais c'est pas prévu, je pense. Bah, ça change beaucoup de choses hein, de jouer en tickets. Wow. Alors faut faire gaffe, il y a des tanks dans le train. Enfin, des canons. Ah, y a des ennemis aussi là. Ah, ouais, ils sont là, ouais. Oula, elle est bien. Il reste un. Ouais. Ok, il est tombé. Ah, oh, il m'a eu. Je monte sur le train. Ah, je me suis. Il y a une personne sur le train. Vas-y, prends ton ticket. Fais poissonner le ticket. N'oublie pas de composter. Je, t'inquiète pas. Mais je sais, attends, c'est quoi? Poissonner. On le composte. Non, c'est ça, non? J'ai un doute. Maintenant, ça me met le doute, tu vois. Putain. Parce que le poinçonner, c'est cassé le... C'est le contrôleur qui vient voir... Oui. Dit, c'est bon, je suis passé. Tu l'as composté? Tu le compostes? Mais non, c'est pas tu le compostes. Et c'est fort, par contre, là, le jeu, là, non? Un peu, ouais. Plus fort, les explosions sont un peu fortes. Ils sont de nouveau dans le train. Mais la grève, vous avez pas compris? Putain, vous faites chier! Qui voudrait bosser jusqu'à 65 ans? Merde! Putain de boomer! Et du coup, ouais, un système de tickets serait pas forcément des plus adaptés pour certains jeux. Pour avoir son ticket train? Ouais. Par contre, du coup, Squad, ça m'intéresse, mais j'ai appris il y a quelques... Bon, c'était l'année, c'était en fin d'année dernière qu'on a appris ça. Mais qu'il allait avoir un jeu Starship Troopers FPS en multi. Et étant un grand fan du film, je ne peux qu'être agréablement saucé par cette annonce, par les développeurs de Squad. C'est quoi en fait Squad? Squad, c'est un... C'est du FPS multi, un peu simu. Oui, le compostage, okay. C'est une histoire de jardinage, ouais. Oui, tout à fait, c'est pour le compost. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Et du coup, ouais, là, j'ai un gros trou. Préposté, non? Donc du coup, c'est un peu comme un Rising Storm 2, si tu veux, mais un peu plus tactique. D'accord. Ah, c'est en gros entre Arma 3 et Rising Storm. Pour donner un ordre d'idée. Mais en fait, le jeu, ce que je trouve assez ouf niveau squad, c'est si tu regardes un peu sur YouTube et que tu traînes, le jeu est ultra modé de fou. Et t'as des mecs qui font des campagnes Star Wars avec des modèles de droïdes et tout, des armes, enfin tout est méga fonctionnel. Et avec des clones contre des droïdes et tout. T'en as qui te font avec des skins Warhammer, enfin c'est assez ouf. Ok, ils ont fait un Battlefront qui vaut le coup. Franchement oui. Et du coup t'as aussi un mode justement Starship Troopers avec les modèles des arachnides et le modèle des armes. Et je pense que c'est pour ça aussi que les mecs ont été... ont été contactés pour faire ce FPS Starship Troopers qui
m'intéresse énormément. Je suis très content de ce revival en fait qu'on a actuellement. Un petit peu, pas non plus gros, mais que du coup t'es des jeux adaptés, adaptés de films ou de licences, mais plutôt sur des titres hein, moins grands que des triple A quoi. D'accord. Et t'as vraiment des trucs cool, genre là dernièrement, bon, on a eu le, un RTS que je suis en train de faire, Starship Troopers, qui est ultra sympa. Et il y a eu aussi le jeu de gestion Dune. Il est aussi très très cool. Ah, tu peux pas Dune. Oh, franchement, ouais, tu peux y aller. Hein. Après, moi, je suis très très fan de Denis Villeneuve. Moi, je peux comprendre que. C'est beaucoup du cinéma de l'esthétique, quoi. Et de l'ambiance. Il y en a qui peuvent trouver ça long. Donc je peux comprendre. Mais par contre j'ai surkiffé. J'ai très très hâte de voir la partie 2. Non ! Il démarre ! Stoppez le train ! Et qu'est-ce qu'on doit faire avec quand il est en... Bah il faut qu'en gros ça devient un point quoi, un point de défense, il faut pas qu'il le reprenne pour qu'il réavance. D'accord. En gros faut pas qu'il atteigne là le dernier point, parce que là il a atteint un point de ralliement en gros entre guillemets. Un checkpoint. Ouah, y'a tellement de chars. C'est riche en chars. Oh là là, dur. Je meurs. Tu vois, c'est aussi dur que le niveau de tes blagues. Ouais. Oh là là, ce petit massacre là. Bonjour. Ça fait. Il y a Yourdev qui dit besoin des coordonnées de l'ennemi. Bah c'est juste il veut des points rouges quoi. Oui oui, bah les coordonnées de l'ennemi, bah parce que lui il est en avion et du coup c'est juste pour savoir où est-ce qu'il peut bombarder. Ah ouais d'accord. Yourdev. Tu vois il arrive. Comme ça il peut poser des bombes de manière efficace et tactique. Mais Red Baron, qu'est-ce qu'il fait là lui? The Red Baron. Surtout que c'est un gars de la première guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est perdu. Encore un Normand hein, qui sait plus quelle heure il est hein. Mais les Normands avec leurs horloges normandes aussi. Hein. Non, ça c'est les Suisses, du coup, souvent c'est normal. Il parle un peu pareil. Ah par contre faut être sur le train pour que ça compte hein, sinon ça compte pas. C'est bon, le train est arrêté. Donc là faut vider l'intérieur du train en gros, ils sont... faut regarder des ouvertures dans le train, faut monter dedans et tuer ceux qui restent. Et ensuite les empêcher de monter à l'intérieur. En gros c'est ça la mission. Je suis dans le train. Tu es en train dans le train. Je suis entré dans le train, je suis en train d'entrer. Bonjour, vous avez votre ticket? Ah désolé, non, le ticket n'est plus valide. C'est la grève donc vous rentrerez pas dans le train. Vous n'avez pas votre carte 25-26 ans. Tiens! Votre carte jeune est invalide, il n'y a pas la photo d'identité! On a besoin de savoir qui vous êtes, monsieur. Est-ce que vous soutenez les grévistes? Putain, mais. Lui là. Ah, vous soutenez pas? Bah, vous montez pas. Vous avez pas le petit soutien au gréveur? Gréveur. Je suis gréveur. Oh merde. Wow. Ils sont en train de redémarrer. J'ai mis le tronc qui m'a tué. Oh merde. Alors ça doit pas être facile. Hein. Bah il est en tank. Ah. Jimmy. Arrête de me tuer. Sors de ton tank et viens m'affronter. Oh, oh pas mal. Franchement, ouais, non, mais... Qui, Jimmy Neutron, belle ref en plus. Par là, je vais te bouffer le fion. Allô. Moi, Jimmy, ça m'a surtout fait penser à Better Call Saul. J'arrive à la saison 2, là. Oh. Alors c'est génial. Bah ouais, je sais. J'avais regardé la saison 1 quand elle était sortie, puis après j'avais arrêté. Et du coup là, vu que tout est sorti et que j'entends que du oh là là, c'est incroyable. C'est vraiment la révolution. J'ai dit bon, ok, d'accord.
Très bien. T'as vu beaucoup trop de mèmes sur... ça. Au Sagma des Gualda. Oh putain, non. Non. Il y a vraiment ça. Pas ces mèmes là, même. Please. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça, mais ça existe. Putain. Allez Jimmy. Mais putain. Oula, t'es à terre toi. C'est terre, un peu le bordel là. Bien d'accord. Ils sont dans les fourrés là. Ah, je les vois pas. Je vois les balles qui sifflent mais... Ouais, bah dans les fourrés généralement. Tiens. Toi t'es pas mort toi. Mais putain. Viens là. Je suis sur le train. Je suis sur le train. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais putain. Putain, il était tué par quelqu'un d'autre. J'ai couru après 1000 heures. Oh merde. Il y en a 1000 ans là. Ah, 1000 heures. 1000 hordes. 1000 heures le normand. Mais genre il y a une mitraillette sur le... Vite, non. Une mitraillette. Mais je suis encore sur cette histoire de compostage. Mais oui, mais bon, c'est composter le billet. Hein. Tu compostes le billet? Oui. J'ai un doute. Je monte dans le train. Ah, ça tombe bien parce qu'il y a plus que la moitié, il faut qu'il fasse encore 50 mètres et on a perdu. Ben, je suis dans le train. J'empêcherai les non-grévistes de venir. Et ben voilà, Boris m'a tué. Boris. Le train redémarre. Faites un blocus. Mettez des poubelles devant. Appel au lycéen. Sortez vos meilleures poubelles. Vos meilleurs slogans. Prenez le train, pas mon cul. Enfin, prenez mon cul, pas le train. Les meilleurs slogans lycéens. Prenez le train, pas mon cul. Mais putain, mais Boris, là. Vian. Mais genre. Ah non, c'est dur. Mais genre. Première défaite, du coup. Deuxième défaite. Ouais. Ah, dur. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'autre, là. On a réussi à rien faire avec l'histoire des magnets. On a gagné, ouais, dans la forêt. Avec l'histoire des magnets des dinosaures, je me souviens. Bon, je vais arrêter là, je pense. Oh, il arrête là. Bah toi, tu vas pas... Je crois que tu partais au final. Ah putain, merde, oui, il est 17h40. Bah oui. Ouah, j'ai jusqu'à 18h en vrai. Si tu veux en faire une dernière. Ah bah ok, d'abord. Alors je vais glisser ça là. Peut-être qu'on aura enfin une belle bataille à Berlin, parce que alors celle-là... Celle-là, je suis pas d'accord. Bon, je relance direct. Vas-y, ouais, je reviendrai après pour les trucs améliorés. C'est comme ça, on a fait une dernière et après, oups, je disparais. Puis comme ça fera pas une vidéo de 15 minutes. N'avez pas besoin de me remercier, YouTube. Hein. Je fais ça pour vous. Mon cul, je fais ça pour l'argent. Je peux le dire, hein. Et si tu savais tout l'argent que j'ai? Oh là là, avec toutes ces vues. Bah oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en plus un streamer, tu donc tu fais deux fois plus de thunes. Ah ouais, bah alors là, l'argent coule à flot, tu vois, j'ai tellement d'argent que je sais pas comment faire. T'as tellement d'argent que tu es riche. Je suis riche de mon argent. Tu compostes ton billet papier à l'époque. De même genre, ça se dit mais plus. Mais c'est ça, c'est composter un billet. C'est composter un billet, ouais. Bah c'est vrai que maintenant, ça se dit plus, parce que tu le compostes pas vraiment, quoi. Bah c'est non, plus tu le scannes. Bah même... Ouais, c'est ça. Oh, mais c'est de la conquête, on s'emmerde. Ouais, mais c'est la chancellerie du Reich. On a la mairie... la mairie de la Normandie, ça y est. On a la mairie de Flair, là. C'est Flair, la capitale de la Normandie? Pas du tout, mais c'est juste un bled où... Bah, c'est Flair, comment dire. C'est... comment dire. Voilà, c'est une plaque tournante de la drogue. De la drogue.
Ouais, en Normandie. Normandie. Putain, qui lui. Qui lui. Il y a plus de 3 kilos sans bord de bled, c'est juste capital qui s'est énervé. Oui, voilà. Ok, j'ai pas tout compris, mais très bien. Il y a beaucoup de drogue. Moi non plus, j'entends pas très bien. C'est comme Albuquerque, quoi. Albuquerque. Ouais, voilà, c'est ça. Fier, c'est Albuquerque. Albuquerque. C'est monsieur Normand. C'est monsieur Blanc. Monsieur Blanc Normand. Avec monsieur Normand Blanc. Peur Blanc. Putain, mais t'as toujours pas fini le quiz, Pollux. Mais ça va être un quiz de ouf, du coup. Ça va, t'as encore le temps. Tu finis un peu plus tard, comme ça, j'attends d'en profiter. Je sais pas comment je vais le film. Allez, Rushby. Oh, ça fait longtemps un petit CS là en vrai. Putain. Ce qui est bien, c'est à chaque fois je te fais télécharger un jeu. Et à chaque fois qu'on y joue, je dis hey, en vrai. En vrai, un petit CS là. Et oula, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que t'as joué à ce jeu là, ça te dirait pas de jouer à un autre jeu? Attends, j'ai tué par un dragon. Putain, la chance. Ça, c'est une marque à de la gueule. J'ai encore été tué par un dragon. Les carabines, c'est pas ouf, hein, dans ce mode de jeu, là. Ah, ça dépend si t'es dans le bâtiment ou pas. Moi, je suis dans le bâtiment, moi, je bosse dans le bâtiment. Je suis un animateur de bâtiment. On peut dire que je suis dans le bâtiment. C'est vrai. J'anime le bâtiment. Allez, bougez un peu, les bâtiments. J'aimerais me faire le tank, là. Bah écoute, la mécanophilie, c'est pas interdit, hein. Ah, surtout, il a deux gros pots d'échappement, là. Oh la vache, ouais. Oh, ils l'ont détruit. Ah bah, je vois. Non, mon crush. Mon crush. Même pas, en gros, je présente prendre screenshot 10 par difficulté, les gens doivent trouver, mais c'est le temps de prendre des screens et de les recadrer qui est long. Ah bah oui, ouais, tu m'étonnes. C'est trop cool, ça, en vrai. Enfin, j'aurais adoré être là. Mais le cinéma n'attend pas. Ouf, tiens. Bon, je vais faire un tour dans le bâtiment. Et t'as pas mis R4? Bah, y'a que des bons jeux alors. Et 100% va y avoir un Final Fantasy. Et croc. Dans le bureau d'Hitler. Oh. Et putain, j'aimerais pouvoir avancer. Mais qui le dis-tu? Ouais, du monde. Oh putain. Wow. Ils arrivent tous par la... par le bureau d'Hitler. T'as pas mis FF, t'as pas mis K, j'ai pas croc. Oh. Est-ce qu'il y a Dead Space? Ok, Dead Space. Oh, il y en a un qui a mis le... Le quoi? Il y en a qui a mis un sympa de Noël. Barre de B, là. Parce qu'ils en ont marre d'être en défense, ils veulent attaquer. Ah, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça dépend. La meilleure attaque, c'est la défense. Voilà. Oh putain! Attends, quoi? Genre, je l'ai pas vu. Ah putain, mais en fait, je lag. Ah, c'est toujours ton excuse à tous, hein. Oui. Ah, je lag, ah, j'ai pas de connexion. Oh non, j'étais presque. Y'a pas Dead Space. Ah, y'a Dead Space. Ah. Cut of the Limbs. Ah bah oui, voilà. Ok. Bah, c'est un bon départ. Je dirai rien. Je garderai ça pour moi. Vamos sur C. Ah bon, on est sur B. Ah oui, non, C. Mais j'ai envie de dire C perdu. Ou C gagné.
il faut que j'arrive à aller dans cette fenêtre là. T'es quoi surfait. Mais j'ai été tué. Par le rond. Le rond. Et merde, le rond qui est encore là. Je voyais le rond. Et rond, petit patapon. Putain, mais le rond. Et rond, petit patapon. Georges, t'es pas dessus là? Bah merci. Georges de la jungle. Georges de la jungle. Georges de la jungle, attention aux troncs. Attention à les troncs. Hello, l'humour. Bah j'avoue que Georges de la jungle, j'ai quelques souvenirs d'un truc avec un gorille. Ah c'est trop bien. Mais putain mais... Je sais pas si c'est le terme qu'on emploierait maintenant. Aïe. Tu vois, S Ventura, ouais d'accord. Mais... De la jungle. Mis à part pour battre un Fraser. Il y a des films que je regarde, tu vois. Des films que je revois. Mais bah, Georges de la jungle. Bon, je sais que j'avais adoré quand j'étais petit, donc je sais pas. Ouais, mais voilà. Je pense qu'il peut le laisser là où il est. Hein. Un peu comme le Godzilla de Roland Emmerich, quoi, tu vois. Vaut mieux le laisser dans tes souvenirs. Jean Reno, il joue un russe avec un accent français. Ah non, non, non. Jean Reno, il joue un français. C'est pas un russe, c'est pas dans. C'est pas dans Rollerball de. Voilà, c'est McTiernan. Ah, vodka. Mais merde. J'étais avec toi pourtant, je t'ai vu tomber, j'ai rien fait. Non. C'est ça que j'aime bien, c'est que t'es toujours là pour me soutenir. Pour me protéger aussi. Quoi qu'il arrive. Du monde, hein. Je sais que tu seras là. Et qu'est-ce qu'il foutait derrière, lui, là? Putain, j'ai que des armes de merde, hein. Bah, hésite pas à en ramasser par terre. Bah, mais après, si je ramasse par terre, j'aurais pu les... pas augmenter celles que j'ai là, si. C'est pas comme Call of Duty, ou... Non, bon, non, en fait, non, tu... non, non. Non, ton XP, elle est globale, hein. Ah oui, bah parce que je peux me gêner. Je vais voler les armes, je vais tuer des gens pour leur voler leurs armes. Leurs armes. Leurs armes. Leurs armes. Je vais voler leurs armes. Pas voler. Je vais voler ton âme. Je volerai vos âmes. Laissez-moi voler vos âmes. Vos âmes et vos femmes. On peut utiliser une mitrailleuse à gros calibre. Allez, utilise ton gros calibre là. Alors je suis avec toi. Je vois ça, ouais. Façon de faire plus de kills que toi, mais... Oui, parce que je viens d'arriver, connard. J'ai passé par derrière. C'est connu que les méchants passent toujours par derrière. Ouais, par extérieur, quoi. Ok, 5 balles. J'ai plus de balles. Et putain! Ce que t'as mangé! Allez, tiens! J'aurais pas aimé être à ta place là. Bah, j'ai pas aimé être à ma place non plus. Si j'étais une autre place, j'aurais peut-être pas été tué. Surtout que t'as la limousine elle est sympa en vrai. Bah là je viens de changer. Restez pas devant, con de squad. Con de vous. Laissez faire le camarade marchand. Camarade remarque. Camarade marchand, quelle est la situation? Ça va, tranquille. Les Normands sont partout. On a besoin de soutien pour lutter contre l'invasion normande. Je suis de la rotonde. Mais est-ce que la rotonde? La rotonde va rotonder. Va en prix, Alberta. Putain,
putain, mais lui, il sort d'où, lui? Et, mais il pouvait pas sortir plus tôt, non? Fallait qu'il sorte maintenant, à la fin, une fois que... Tiens! Oh, sur le côté! Je saigne et je meurs. T'es pas obligé d'être aussi dramatique, hein. Je saigne. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs dans la douleur. Au secours, ça fait et mal. Je suis désabusé. Je meurs, mais je suis désabusé. Sac à merde. Oh, j'ai tout raté. J'ai raté ma vie. Sac à merde. J'ai tout raté dans ma vie. Surtout ma vie. Ils ont repris le garçon. Non. Roberto. Ah bah là. Ah oui, Roberto, le chevalier. Non. Oui. Si. Oui, c'est le chevalier de Sekiro. Il crie Roberto. Si mais... Oui, mais il a pas de cheval. Mais y a-t-il besoin d'avoir un cheval pour être chevalier? Comme une chevalière. Est-ce qu'il y a besoin de pute pour débuter? C'est si sale. Alors il y a du monde, mais je suis tout à côté, hein, tout va bien. J'aurais bien aimé avoir une mitrailleuse lourde là. Ah! Mais putain, ils m'ont mis un coup de crosse dans la gorge. Voilà. Non, je veux respawn là. Je respawn là où il y a trop une hache. Mais putain! Il y a trop d'ennemis dans la zone. Bah, vite, je nettoie. Ah bah là, j'ai tout nettoyé. Oh putain, il y a des mecs qui sont entrés dans le bureau. Des mecs dans le bureau. Sur la gauche. Attends, tu vois, je vais une Stallone, je tirais dans le corps. Il avait plus ses jambes. Mais putain, dragon, là. Bon bah, j'ai plus ma... Ah oui, ils sont chauds, par contre, là. C'est le dragon noir aux yeux bleus. Dragon. Le dragon d'un noir aux yeux bleus. Mais genre, je regarde par là, il est pas là. Et d'un coup, il est là. Putain, voilà, il se cache. D'un coup, il est là. Passe de lâche. Vas-y, passe. T'es pas là, d'un coup, il est là. Putain, je crame, au secours. Je ne fais pas une cigarette. Au secours, au secours, je brûle. Et je suis désabusé. Attends, victoire et je meurs. C'est pas une victoire. Bah, c'est une victoire pour les autres, mais pas pour toi. Toi, c'est un peu une défaite. Oh, j'ai passé le niveau 14 de la campagne. J'ai reçu un pchit 41. Un pchit 41. Un pchit. Allez, en vrai, on va mettre ça de côté et on va prendre E là. Je peux toujours rien racheter en mitrailleur. La PPS-42, j'ai déjà, ça sert à rien. Ah non, en fait, je les aide que pour certains soldats. On sait pour ça. C'est dur, franchement. Tu trouves pas? De quoi? C'est dur. De... Enfin, pour toi? De vivre. J'aimerais pas être à ta place, quoi. Oui, mais j'ai compris. Oui. C'est ce que je dis. Ok. Obtenez davantage d'ordre pour des armes en vendant à plus de 40. Hein, on peut vendre les armes. En tout cas, des bisous YouTube, hein. Prends soin de toi et bientôt. J'espère que ça t'a plu, c'était une petite session courte. Ça va. À très bientôt.